Meubles, ustensiles, décorations. Le rotin est un matériau très prisé des consommateurs et des artisans qui le travaillent. Une plante récoltée au cœur des forêts et qui, le long de sa chaîne de valeur, fait vivre des milliers de personnes. Une plante, aujourd'hui, menacée de disparition. C'est à partir de ces longues tiges de bois sèches que sont prélevées les lamelles qui vont servir pour le tissage. Un mouvement répété des milliers de fois, presque intuitif, pour entrelacer ces branches entre elles dans une symétrie parfaite. Chez cet artisan, le rotin sert pour la fabrication de ses paniers et autres cages à poules. Alors ça, c'est qu'est-ce que tu prends là aujourd'hui? C'est pour faire quoi? C'est pour des paniers de cola. Paniers de cola. Ouais. Mm-hmm. Et pourquoi tu prends cette variété là? Voilà, c'est pas la demande. C'est pas pour faire paniers de cola. C'est moins là. Sinon ça là, si c'est trop gros, n'est pas bon. Mais on voit qu'il y a différentes tailles de branches. Donc les petits, c'est pour les paniers de cola, et les grosses branches, ça non, fait quoi? Les gros, là, c'est pour le travail. Ça, c'est un travail à part. Et ça fait, on travaille quoi? Et ça, là. Ouais, on fait ça en bas. En bas, les paniers de cola, là, on les casse, quoi. Le rotin, il souffle, connaît bien. Des paniers comme ça, tu en as fait combien dans ta vie? Ah, c'est beaucoup, hein. Ah. Ça, il ne peut pas dire, c'est tout. Ça fait longtemps que tu travailles le rotin? Oui, pas en France. C'est mon papa qui faisait ça après ça. On lui a décidé. Bah, on a continué à faire le même travail. Là. Parce qu'on ne connaît pas notre travail, c'est vraiment ça. Mais cette activité exercée d'une génération à l'autre connaît depuis plusieurs années des bouleversements majeurs. Pourquoi changer dans le travail? Parce que maintenant, ça fait des brousses qui a fait un peu. Qu'est-ce qui est compliqué dans la brousse? Il n'y a pas beaucoup de forêt. Le moment qu'il y a eu beaucoup de forêt, c'est pas forcément obligatoire dans la forêt classée. On partait chercher dans les forêts villageoises. Comme les particuliers, comme on pense, avant on partait chercher là-bas. Mais maintenant, comme il n'y a plus de forêt, on est obligé d'aller dans la forêt classée. On cherche un contrat, un sou de fort, avant d'aller dans la forêt classée pour aller travailler. Donc les forêts de ton enfance, elles ont disparu? Tout. Tout ce que nous connaissons, on en regarde un peu. Tout ce que nous connaissons, ça c'est disparu. Il n'y en a plus dans les forêts. Et quand tu étais petit, mmh, au temps où il y avait assez de forêt, mmh, tu faisais combien de temps dans la brousse pour faire une récolte? Et aujourd'hui, tu mets combien de temps? Avant, c'était 15 jours, 10 jours. Les gens faisaient la récolte. De toute façon, c'était beaucoup là. Si vous partez là, vous gagnez vite le temps. Ça, on pouvait gagner 200 colis avant. Mais aujourd'hui, on est à combien? En 60. Et vous êtes inquiet du coup? De forêt. Vous êtes... ouais. Ça vous fait peur de voir qu'il y en a plus? Ça nous fait peur, parce que c'est là-bas non, on nourrit nos familles. Ouais. On travaille, c'est dans ça qu'on travaille pour nourrir nos familles. Mais si ça se fait, ça nous crée des problèmes aussi. C'est comme chacun son travail. Ça, c'est devenu comme notre travail maintenant. Si ça, il n'y a plus de forêt là, ça crée des problèmes pour nous aussi. Depuis les indépendances, la Côte d'Ivoire a perdu près de 90% de son couvert forestier. Manque de bol, car ce sont dans ces forêts que pousse cette plante de la famille des palmiers. Moins de forêts, moins de rotins. La logique est simple. Conséquence, c'est tout un secteur d'activité qui est aujourd'hui menacé. Mais il n'est pas le seul. Dans la commune d'Anyama, nous avons rendez-vous dans cet entrepôt de stockage de noix de cola.
Ici, c'est ce qu'on appelle pour de la cola. Ces colas sont reversées et sont prêts à trier. Une fois le tri, on le confectionne. Et une fois confectionné, nous avons plusieurs pays pour lesquels nous convergeons. Vous vous demandez sûrement pourquoi on vous parle de noix de cola dans un reportage sur le Rotin. Vous vous souvenez ces paniers que confectionnait Issouf? Eh bien, c'est ici qu'ils ont atterri. Regardez bien la structure d'emballage de ces paquets. Pour nous non plus, ça ne sautait pas aux yeux. Alors, on va décomposer tout ça. Voilà qui est mieux. Vous allez comprendre pourquoi le Rotin est si essentiel à l'activité de cet exportateur. Ici, ce sont les colis qu'on a confectionnés. Ces colis vont en direction du Sénégal, du Mali, du Sénégal, vers le Gabon. Les colis sont faits dans les paniers de Rotin en guise de conservation de ces différents produits. Et pourquoi vous utilisez le Rotin? Pourquoi c'est plus pratique pour le trajet? Oui, on utilise le Rotin compte tenu de la flexibilité, sa flexibilité. Ce Rotin, aujourd'hui, il est flexible. On peut le manipuler, on peut le manier de plusieurs sortes par rapport au trajet qu'on doit voir terrestre. Alors on voit qu'il y a deux types d'emballages dans cet endroit. On a quand même des emballages en toile et puis on a le Rotin. C'est quoi la différence entre les deux types d'emballages? La différence est que une fois emballé dans ce Rotin, on peut le conserver longtemps et il garde sa saveur et son humidité. Or, par contre, dans ce sac ici, par exemple, une fois emballé dedans, il ne peut pas être conservé au même titre que celui-là, le Rotin. Parce qu'il a une durée un peu limitée une fois emballé dans le sac. Or, dans le Rotin, par exemple, nous pouvons le conserver au-delà de 3 à 4, 6 mois. 6 mois de conservation, ce n'est pas rien pour un exportateur. Pas étonnant que l'emballage artisanal soit privilégié. Dans un sac en plastique, il perdrait près de 20% de sa marchandise, avec un temps de conservation divisé par 3. Mais voilà, avec les difficultés d'approvisionnement, ces barquettes valent désormais une petite fortune. Alors un panier comme ça s'est à combien avant? Ce panier comme ça, avant, était venu à l'ordre de 200 francs. 200 francs, voire 250. Aujourd'hui, le prix a catégoriquement doublé. Nous nous retrouvons un panier comme ça aujourd'hui à 400 francs, voire 500 francs une fois confectionné. Donc, du coup, le prix a complètement doublé. En combien de temps? En si très peu de temps, voire les 3 dernières années. Ce sont en moyenne 1 000 000 de ces barquettes qui partent de ce dépôt chaque mois. La cola est devenue une véritable culture de rente en Côte d'Ivoire, qui est devenue le premier exportateur mondial. Une croissance qui pèse également sur les ressources de Rotin. Impossible de dire aujourd'hui combien d'hommes et de femmes vivent du Rotin dans le pays. Combien d'artisans qui en dépendent totalement. Dans la commune de Marcory, c'est aux abords du boulevard de Marseille que l'on peut rencontrer certains d'entre eux. Olivier vit de la fabrication de meubles et d'objets de décoration en Rotin. Un métier dont il est fier. C'est quelque chose de très précieux parce qu'il nous permet de survivre, de s'occuper, de prendre en charge certains trucs. Donc c'est vraiment... Avec ce que tu fais, tu prends combien de personnes en charge? Combien de personnes, j'ai toujours dit, mais au moins ça nous permet d'être indépendants. Ne pas trop aller loin, non. Mais je parle là. Bon, ça te permet de payer ta maison, ça te permet de, tu vois, ne pas trop tendre la main aux gens, au moins rendre service peut-être à une, deux personnes. Voilà, donc. Mais avec la raréfaction de la matière première, ils sont de plus en plus nombreux à abandonner ce travail. Il y avait des gens, ils travaillaient le Rotin sur toute la ligne, là, le long de la ligne. Ils sont au fond là-bas. Ouais, ils sont au niveau de la petite colline qui est là-bas. Jusqu'au niveau du promontoire là-bas? Voilà, là-bas. Tout au fond, le dernier? Voilà, la colline qui est là-bas.
Le vide là où il y a. Ouais. Bien, voilà, les deux là. Jusque là, tout là, des deux côtés, il y avait des gens. Ouais, ouais. Et ils sont en train de partir parce que ça rapporte plus. Pas que ça rapporte plus, mais le métier devient un peu. Ça devient difficile. Ouais, c'est compliqué. Pour mieux comprendre les enjeux de la préservation du Rotin, c'est au fin fond de la forêt qu'il faut se rendre. Direction Assiquoi, à 1h30 de route d'Abidjan. Nous y retrouvons Mohamed. Il fait partie de l'équipe d'étudiants et de scientifiques qui s'intéressent à la plante. Nous avons déjà répertorié certains artisans du Rotin. Et donc on vient dans cette zone qui est inexplorée par nos équipes déjà. On vient faire un inventaire rapide de la flore des Rotins dans cette zone. Et bien pour ce faire, j'ai tout mon matériel ici, comme quoi on a des bottes. Parce que chez nous, on est dans l'eau, la boue, la vase. Donc on a tous ces éléments-là ici en tout cas. Et bien, le décamètre pour les différentes mensurations. Et il y a le préféré de tous les outils, l'outil l'indispensable, le sécateur, pour mieux sectionner, pour confectionner nos échantillons d'herbiers. Grâce aux connaissances de cet habitant du village, nous allons pouvoir observer et prélever les échantillons de rotin dans leur milieu naturel. Nous allons devoir parcourir 7 km de piste pour en trouver. Car avec le recul de la forêt, il faut aller plus loin pour trouver le rotin. Sept kilomètres d'une piste difficilement praticable. Il faut parfois descendre, marcher plusieurs centaines de mètres. Remonter à moto, s'embourber. Repartir à pied pour enfin atteindre le campement et nous engouffrer dans la forêt. Ces rotins sont inféodés aux forêts, mais dans les zones où il y a des éclaircies, soit dans une zone où il y a eu un chablis ou bien aux abords des pistes. Parce qu'au fait, ces rotins sont à la recherche de la lumière. Donc lorsqu'on est en forêt, dans toutes les zones où il y a la possibilité d'avoir de la lumière, on a de fortes chances de les retrouver là-bas. Et aussi, on marche la tête levée parce que ces rotins sont dotés de flagelles pour certains, des cils pour d'autres, qui sont des organes qui sortent de la canopée facilement. Donc, une fois qu'on repère un de ces organes, déjà, on se dirige facilement dans la zone pour aller vérifier effectivement que c'est du rotin qu'on a. Nous apercevons enfin les branches épineuses de rotin. Mohamed va prélever des échantillons sur plusieurs espèces afin de mieux comprendre la plante et la protéger. Ici, lorsqu'on doit prélever un échantillon d'herbier, vu la longueur déjà de la feuille, on va mesurer un certain nombre de paramètres sur le terrain ici, des éléments qu'on ne peut pas mesurer au niveau de l'herbier. Donc, on mesure ces éléments en brousse ici et les autres détails seront mesurés au niveau de l'herbier. Donc, on va commencer par faire la mesure de la feuille. Laisse coller. C'est bon. Oui, ici d'abord. Ok. Je suis à pratiquement 3 mètres. Donc la longueur de la feuille, c'est pratiquement 3 mètres. De retour au campement, c'est en interrogeant notre récolteur que Mohamed espère en apprendre plus sur leurs habitudes et leur exploitation du rotin. Un échange d'informations essentiel dans cette course à la préservation. C'est quel type de rotin tu aimes particulièrement? Bon, qu'est-ce que tu récoltes? Je prends les deux là, je prends le gros et le petit. Ah, le gros puis le petit, celui qu'on a vu en forêt là. Parce que quand je prends le gros là, le petit là, il prend pour faire le boulot. Ah d'accord, c'est ce que tu fais. D'accord. Maintenant, comment tu arrives à faire la différence entre les deux? Parce que l'autre là c'est gros et puis les piquants sont gros. D'accord. Voilà. Donc par rapport aux piquants, les épines qui sont là-dessus, ça te permet de faire une différence nette entre les deux. Maintenant l'autre là c'est pas tellement gros.
L'autre là c'est petit. Okay. Puis, okay. Là quand tu vois les filles, là, ça c'est parti direct. D'accord, d'accord. Il est très important d'échanger avec eux parce que ce sont des. Ce sont les personnes qui sont au contact de la matière. Donc ces personnes ont un certain savoir déjà sur la manière dont ces routines-là se développent et tout. Donc nous, on vient en tant qu'appui déjà pour les aider à mieux cerner, à leur expliquer les fondamentaux derrière leur compréhension qu'ils ont et, au niveau de la bourse. Là. Et là, on voit que tu essayais de l'intéresser aussi au replanting. Ça peut être des acteurs clés dans la préservation de la ressource. Oui, ce sont forcément des acteurs clés. Parce que ce sont ces personnes-là qui utilisent cette matière première-là au quotidien. Donc, une des manières, c'est de les intéresser, de leur faire comprendre que l'exploitation par les populations sauvages n'est pas pérenne. Parce que la ressource, on est dans un contexte où la ressource se raréfie de jour en jour, en fait. Donc si on arrivait déjà à développer des techniques qui permettent de multiplier ces plantes-là assez rapidement, on pourrait mettre en place des programmes où ils vont associer ces plantes à leur plantation par exemple. Tu fais ta plantation d'EVA, tu peux associer des routins, donc tu bénéficies de ton EVA à la base et secondairement tu as des avantages liés à l'exploitation du routin que tu aurais planté. Donc c'est une manière aussi de préserver, de constituer des stocks de routins dans nos forêts en fait. Et vous avez beaucoup d'espoir en cette démarche-là? Oui, oui, on a assez d'espoir là-dessus. Déjà, nos premiers essais de multiplication sont assez concluants. C'est assez, on a beaucoup de données là-dessus en tout cas. Une fois ces informations collectées, elles vont devoir être traitées et stockées. Et c'est ici, au Centre de Recherche Suisse, que tout se passe. Nous sommes donc au laboratoire de botanique du Centre Suisse de Recherche Scientifique, ce qu'on appelle l'herbier. Donc c'est l'endroit où nous conservons les collections botaniques. C'est-à-dire que quand nous allons sur le terrain pour faire des récoltes, ces récoltes-là sont ensuite pressées, traitées et montées avec des étiquettes. Ces étiquettes-là portent un certain nombre d'informations précises, notamment sur la localité des récoltes, la date des récoltes, le récolteur, ainsi de suite. Donc autant d'informations qui sont donc consignées sur l'étiquette. Et ces herbiers sont conservés ici pour d'autres activités scientifiques. Le docteur Noufou Ouattara s'intéresse aux palmiers, et plus particulièrement aux rotins. Les études réalisées ici ont permis de dresser une cartographie de la présence de l'espèce en Côte d'Ivoire. On a une cartographie aujourd'hui des rotins. Les rotins, déjà, comme je le disais tantôt, ce sont des espèces qui sont inféodées aux forêts. Donc vous allez les trouver dans la zone forestière de la Côte d'Ivoire, dans les forêts classées, dans les parcs nationaux et réserves, et puis dans quelques petites forêts communautaires. Il y a une troisième espèce qui est Calamus deratus, qui va un peu plus loin, donc qu'on peut trouver en milieu savanicole, mais dans des endroits assez boisés et assez humides. Sinon, les rotins sont plutôt concentrés au sud de la Côte d'Ivoire, mais et surtout dans les forêts. Parce que, en fait, vous n'allez pas trouver des populations de rotins dans une plantation de cacaoyers ou de caféiers ou d'anacardiers. C'est vraiment des espèces qui sont inféodées aux forêts. Et donc, quand la forêt disparaît, mais elles disparaissent. Le rotin est dépendant de la forêt. Le rotin, il y en a encore, mais il y en a de moins en moins. Alors, parce que il faut dire que les rotins, ce sont des espèces qui sont inféodées aux forêts. Donc, quand la forêt disparaît, le rotin disparaît. Et ça, c'est un problème énorme. Et quand on connaît le niveau de déforestation en Côte d'Ivoire, ben, on fait tout de suite le lien avec la disparition des rotins. Donc, les populations de rotins s'amenuisent de plus en plus, alors que le besoin est de plus en plus croissant. Toutes ces informations collectées au fil des ans, ils l'espèrent, permettront de mieux comprendre la plante et la sauver. L'objectif de ce travail et d'avoir des collections botaniques, c'est finalement de pouvoir travailler convenablement à la conservation de ces espèces. Travailler sur la conservation des espèces suppose connaître ces espèces, d'abord d'un point de vue biologique, morphologique, mais aussi d'un point de vue écologique. Et connaître ces espèces au niveau systématique également permet, n'est-ce pas, de pouvoir mieux orienter les stratégies de gestion durable et de conservation. Donc ici, il ne s'agit pas
d'espèces juste pour décorer donc l'endroit, mais ce sont des outils de travail qui sont ici et qui nous permettent donc de mettre en place notre stratégie de conservation. Mais ce qui fait la particularité de ce terbier, c'est aussi sa collection d'objets culturels conçus à base de plantes. Pour se rappeler qu'elles sont une part essentielle de nos vies. Donc ici, nous avons affaire à la collection ethnobotanique donc de notre herbier. L'ethnobotanique, c'est l'étude des relations entre les hommes, les communautés et les plantes. Donc les usages et les diverses donc, utilisations qui sont faites avec les plantes par les communautés. Donc ici, vous voyez que nous avons une collection d'objets ethnobotaniques à base de palmiers. Ça, c'est un panier qui est fait à base de rotin. Et puis, vous avez ici une ceinture qui est réalisée avec du rotin. Vous avez également d'autres objets ici, tels que ce sac qui est fait avec du raffia. Le raffia est un palmier également. Pour sauver cette espèce de palmier et bien d'autres encore, tout n'est peut-être pas perdu. Dans l'enceinte de l'université Nangui à Brogoua, c'est sous ces serres que se joue peut-être leur survie. Nous y retrouvons le docteur Ouattara et ses étudiants. Il se trouve que ces espèces de rotins, on trouve difficilement les graines. Et du coup, quand on a les graines, on fait des essais de germination. Mais on essaie aussi de passer par ce qu'on appelle la multiplication végétative. Donc nous utilisons des rhizomes, mais aussi des drageons. Et ces essais-là sont menés pour pouvoir trouver justement, avoir des plants qui vont être après utilisés pour des systèmes agroforestiers, mais aussi pour l'enrichissement des forêts. Ce site est un sanctuaire pour des espèces qui auraient été détruites dans leur milieu d'origine. En général, on fait ces prélèvements de sauvageons dans des endroits où les propriétaires de forêts sont prêts à détruire la forêt. Alors, quand on se trouve dans une telle situation, nous, on préfère aller prélever les sauvageons qui s'y trouvent et venir les faire grandir, les faire croître et après pouvoir les mettre dans d'autres forêts qui sont mieux conservées. Donc, on a éventuellement le futur de l'espèce qui se joue peut-être ici? Le futur de l'espèce se joue ici et nous sommes sur de la bonne voie, je pense, parce que ce que nous faisons ici, c'est non seulement la reproduction, mais aussi nous recevons ici des élèves pour la sensibilisation, pour l'éducation environnementale. Ici, l'on essaie de domestiquer cette plante, dont le temps de germination dans la nature peut être long. Difficile pour la ressource de se renouveler naturellement en raison de la surexploitation et de la disparition des forêts. Si ces recherches aboutissent, la disparition du rotin pourra peut-être être évitée, préservant ainsi tout un secteur de l'économie ivoirienne.